Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un cours de saut avec Roxy. C'est une jument que j'avais montée une seule fois il y a 2 ans, donc voilà, et ça s'était pas hyper bien passé parce que j'avais beaucoup trop de mains. Et maintenant qu'en 2 ans j'ai quand même évolué niveau équitation et dans ma façon de monter, le cours s'est bien passé. Après je vous avoue que bon, il y a eu quelques petits cafouillages avant de bien me mettre avec elle. Faut savoir que aussi Roxy c'est une jument qui est super sensible de la bouche, donc faut vraiment la monter avec zéro main. Bah tout l'inverse que moi je fais habituellement. Faut beaucoup en fait la monter avec le poids du corps. Puis voilà, après c'est pas une jument non plus qui est super évidente à monter et ça me change énormément des chevaux que j'ai l'habitude de monter. Parce que elle, la façon qu'il faut, enfin pour la monter, c'est tout l'inverse, tout l'opposé des chevaux que j'ai l'habitude. Donc du coup ça m'a beaucoup changé, mais ça fait quand même du bien. Après je suis quand même contente de cette séance du fait que bah ce soit pas une jument facile et que je l'avais montée qu'une seule fois il y a 2 ans. Et aussi que j'ai vraiment pas l'habitude de monter ce style de chevaux là, et bah j'ai quand même réussi à faire quelque chose de pas trop mal, donc j'étais plutôt contente. Et donc du coup, vers 16h20, je suis allée chercher Roxy au paddock pour pouvoir la préparer tranquillement. Coucou! Salut, mais c'est pas toi que je viens chercher, Choupette. Trop mignonne. T'es trop chou. Vous faites quoi alors? Tu fais quoi? Vous... Votre pieds sont congelés. Ouais. Il a 4 ans. Ouais. Avance ta main, va avec elle.
Avance là. Ouais. Avance là. Voilà. Et sans la renvoyer fort vers toi. Dans l'idée, c'est pas mal. C'est bien parce qu'elle est pas évidente. Par contre, regarde, tu sautes, tu fais ça. Je veux. Pense à ta main, toi, Clara. Mets-toi en équilibre. Ah, un peu mieux ça. Arrête de remettre ton cul dans la brouette. Garde ton cul en l'air. Garde ton cul en l'air. Encore. Ton cul en l'air. Voilà. Garde ton cul en l'air. Oui, et ben c'est bien ça, Clara. Après mon cours, Roxy était remontée, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'image après le cours. Et comme vous avez pu le voir, on n'a pas du tout sauté haut, mais bon, c'était pas du tout le but de la séance. Après, vu que ça faisait quand même 2 ans que j'avais pas monté Roxy, ça m'a pas du tout dérangé de pas sauter haut. Donc voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!